Je m'appelle Cécilia Granara. J'ai fait cette œuvre qui s'appelle Transformant avec l'aide de Ridwan et Amin Bida dans le bâtiment qui s'appelle Push, qui est actuellement l'atelier de plus de 200 artistes à Clichy. Chaque culture a une projection qui va aider à interpréter un symbole. Donc un papillon dans une culture ou un œil dans une culture va vouloir dire quelque chose de totalement différent dans une autre. Et c'est ça qui me plaît dans les symboles, c'est qu'à la fois c'est très universel et très personnel. Mais pour moi, les papillons, c'était quelque chose qui était l'emblème de la métamorphose, parce que c'est une créature qui a deux vies. Et l'œil, c'est plus évident peut-être, c'est l'idée de voir. Je pense que les artistes sont des êtres très sensibles et ils sentent et ils voient des choses que peut-être on n'a pas l'habitude de voir ou sentir. Et du coup, j'ai voulu mélanger les deux, les yeux et les papillons. Parce que ça représentait quelque part symboliquement ce qui se passe dans le bâtiment. Je l'ai réalisé avec l'aide de Amin et Ridwan Bidar. Et du coup, je leur ai proposé et ils m'ont aidé à développer le prototype. Quand le projet a été retenu, ils ont accepté de faire les 66 sculptures que vous voyez dans les trois étages. Le choix de couleurs a été très intuitif aussi. Je trouve que le rouge, c'est une couleur qui réveille beaucoup. Ça alerte. Et le bleu, ça apaise. Donc être alerte et apaisé en même temps, c'est un état très particulier. Je pense que j'ai jamais fait une œuvre qui est si visible. L'idée qu'il y ait des milliers de gens qui passent devant tous les jours sur les périphes et qui captent des signes de loin comme ça, sans trop comprendre ce que c'est, ça m'intrigue. Et j'espère qu'eux aussi, peut-être, ils sont dans des embouteillages ou ils sont ennuyés. Ils font un trajet auquel ils sont habitués et il y a un petit élément de surprise qui arrive. Je pense que ça sert un peu à ça aussi, l'art, de mettre un tout petit peu de magie dans des moments du quotidien ou dans des endroits auxquels on est habitué. Ça peut nous réveiller, nous amuser, nous interroger